Salut à tous, je suis Cédric Cizère, auteur, compositeur, humoriste, journaliste, chroniqueur, coiffeur à domicile, bon, garagiste. C'est bon. Tu crois? Ouais. Écoutez, ça va Philippe? Très bien, merci. En fait, si on est parmi vous ce soir, c'est tout simplement pour vous annoncer une énorme nouvelle. Ouais, un truc qui va vous faire kiffer grave. Franchement, qu'est-ce qu'il y a? Ça t'amuse? T'es rire à la con, là. Rire à la con? Je dis pas que t'as pas entendu, là. Là! Mais je te jure, sur la tête de Johnny Hallyday, j'ai jamais rien entendu! Mais calme-toi, je t'assure, hein, franchement. Je te l'ai déjà dit, mais depuis que t'as arrêté le synthé, t'es plus comme avant. Bon, alors, tu veux qu'on change d'endroit? Ouais. C'est n'importe quoi. Oh, ça va mieux, là. Ah. Je revérifie quand même. Bon, très bien. Voilà, pour me faire pardonner, hein, je te laisse annoncer la bonne nouvelle quand même. Vas-y. Alors, la grande nouvelle, c'est qu'on sera au théâtre des Blancs-Manteaux à partir du début janvier, dans une pièce qui s'intitule Salle des professeurs. Écrite par ce mec-là, hein, dont la coiffure émoustille toutes les femmes mûres. Et pas que, manifestement. Hein. Mais oui, ça s'appelle Salle des professeurs, ce qui veut dire que ça se déroule dans une salle de prof. Très bien, c'est bien foutu. Et on ne sera pas que tous les deux dans cette pièce. On sera entouré de Jérôme Inchassario. Voilà, de Béatrice Costantini. Benoît Solès. Voilà, et 458 figurants. Oui, c'est ça, c'est validé, c'est confirmé. Ça sera du lundi au mercredi, à 21h, au Théâtre des Blancs-Manteaux. Les réservations sont ouvertes. Hein. Oui, et début janvier, interro surprise. Voilà. Oh putain!